Tchèque, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien, je suis très contente de te rencontrer. On s'assoit. Ça faisait 6 ans que tu n'étais pas revenu ici. Comment tu te sens? Moi, je me sens déjà à la maison. Et c'est vrai que ça fait plaisir, après, surtout en ce moment très compliqué, de partir de là où je vis pour rentrer chez moi, où on a l'impression que la vie ne s'est pas arrêtée. Mais en plus, c'est un moment spécial parce que je viens présenter un projet très très important pour moi et pour la population camerounaise. Donc c'est vraiment un moment hyper fort pour moi. Oui. Tu parles de ton dernier album qui s'appelle 1958, où tu as plein de choses à dire, notamment au peuple camerounais. En fait, 1958, c'est une date importante, je pense, pour les Camerounais, parce que c'est l'année où a été tué Ruben Oumiobé, le 13 septembre 1958, par l'armée française. Ruben Oumiobé, qui était un combattant pour l'indépendance du Cameroun, pour la liberté du Cameroun, et qui s'est battu aux côtés de Wandie et de Momier, qui étaient vraiment des gens qui se battaient pour que notre pays soit libre et que nous vivions tout simplement en tant qu'êtres humains libres, quoi. Tu sais ce qui serait bien? C'est qu'on puisse se balader un petit peu justement dans cette ville qui t'a vu naître. Super idée, ça me permettra tout simplement de vous montrer un peu des lieux qui sont importants pour moi. Et ben c'est parti, on y va. C'est magnifique ici, où est-ce qu'on est? C'est l'une des 7 collines de Yaoundé. Et c'est un lieu magnifique où souvent je venais faire du sport ici. Ce qu'il fait me plaît et ce qu'il fait, il le fait bien. Ma devise à moi, c'est toujours bien faire ce qu'on fait. Alors ce show là, à Yaoundé, le retour. Super, ça fait plaisir d'échanger, de partager un moment pareil avec chez moi, surtout comme je dis sur son projet 1958, qui est un projet hyper important pour moi. Et le jouer ici, là où j'ai commencé avec mon premier groupe, c'est vraiment pour moi un moment très spécial et très fort pour moi.